Re coucou. Eh ben ouais, on va s'en faire encore une, hein. Il n'y a pas de raison, hein. Bon allez, la première vidéo de la chasse aux œufs est en train de se télécharger sur YouTube, hein. Donc j'en profite pour qu'on fasse la deuxième ouverture ensemble, puisqu'il nous reste encore des choses à ouvrir. Il est 20h53. J'ai attendu, j'ai été très sage, hein. Franchement, je tiens plus moi. Alors déjà, la première ouverture m'a sublimée. Vraiment, merci beaucoup à toi, Jem. Et là, on va faire la deuxième, donc la suite, le dernier paquet à ouvrir. Mais il est assez conséquent, hein, ce que je vois aussi. Donc voilà, entre-temps, j'ai pu recoller les petits éléments qui s'étaient décollés tout à l'heure. Donc ils sont en train de sécher, il n'y a pas de souci, tout va bien. Voilà. Allez, je vous mets sur mes mains, et on continue. Allez, c'est parti. On y va. Et on va découvrir. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Parce que au niveau lumière. Voilà, je pense que là, ça devrait être bon. J'espère en tout cas. Je vais essayer de mettre un peu plus de luminosité. Voilà, là, je suis à fond. Donc, écoutez, j'espère que vous allez pouvoir y voir correctement. J'essaye de vous mettre le plus de lumière possible. Voilà, normalement ça devrait aller. Non, pas comme ça. Je règle la lumière en même temps. Voilà, normalement ça devrait le faire. Il va y avoir un peu de brillance. Voilà, normalement c'est bon. Bon, écoutez, c'est parti. Allez, alors je ferme. Parce qu'en même temps, je suis sur mon ordi. Voilà, la première partie est publiée. Donc, écoutez, reste plus pour vous qu'à aller la voir. Voilà, donc, allez, on ouvre ça. Alors ça sent toujours aussi bon ce colis. Je ne sais pas ce que tu as mis dedans. Je ne sais pas si tu l'as parfumé ou si c'est toi qui as ce parfum sur toi ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est un parfum qui est vraiment... ça sent le bonbon. Voilà, ça sent clairement le bonbon et je ne sais pas. Mais ça sent super bon. Voilà. Allez, on est parti. Allez, on découvre. Alors, on a encore tout ça à ouvrir. Alors, ici, on a un organisé. Bazar organisé. Ah, ça, c'est bien. C'est ce qu'il me faut, ça. Alors, il y a plein de petits objets dedans. Regardez. On va les ouvrir ensemble. Allez. Alors, attendez, parce que là, il y a du scotch. On va ouvrir. Voilà. Comme quoi, vous voyez, j'ai pas triché. Non, non, je veux faire ça bien avec vous. Je veux pas tricher. Je veux vraiment découvrir ça avec vous, tranquillement. Voilà. Alors, bazar, j'adore l'idée. On dirait un petit pilulier. Ah, c'est bien, ça s'ouvre case par case. Ah, regardez. C'est génial. Allez, on va tout ouvrir alors du coup. Ah, ça fait un peu comme les... Vous savez, les piluliers, là, quand on prend beaucoup de médicaments. Le matin, le midi, le soir. C'est sympa ça. Allez,
On ouvre tout. Déjà, on va pousser cela. On va les mettre là et on va ouvrir celui-là. Hop. Ah, c'est génial, j'adore. Ah ouais, là, c'est vraiment de l'organisation. Il n'y a rien à dire. Alors, dans la première case, alors je vous fais voir un élément par élément. Dans la première case, on a des petites colombes comme ça, en bois. Très sympathique. Je sais pas si vous allez bien les voir. Ils sont très jolis. Alors, je pense qu'on peut les customiser. C'est tout en bois. C'est magnifique. Ça, j'adore. Et là, j'en ai combien dedans? J'en ai quatre. C'est super. Merci, Jem. C'est vraiment quelque chose de joli et j'aime beaucoup les colombes. Vraiment, c'est un vrai symbole. Celui-là, on peut refermer. Celui-là, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est des petits boutons en forme de fleurs. Regardez. Voilà. Et on peut même les coudre hein, pour de bon. Donc c'est excellent. C'est super joli. J'aime beaucoup. Avec une demi-perle noire dedans. C'est joli, hein, vraiment. Alors, on en a quelques-unes comme ça. Hein. Alors, il y en a qui ont... Ah, il y a des blanches aussi, regardez. Voilà, c'est les mêmes mais en blanc. Donc, on en a 3 ou 4 en blanc et 3 ou 4 en noir. Ben, c'est super. Merci beaucoup, Jem. Pour une créa, pour je sais pas, je vais voir ce que je vais faire avec, mais ça peut être sympa. Si, pour la fermeture d'un petit album, pourquoi pas? Ça peut être original. Avec un petit ruban glissé en dessous, je pense que ça doit faire son petit effet. Ouais. Allez, celui-là, c'est fait, on peut fermer. À côté, ah, ça j'adore. Moi qui adore la mer, on a des petits boutons ici. Voilà, comme ça. Avec, ah, pour conduire le bateau, le gouvernail. Non, oui, le gouvernail. Si je me plante pas, c'est un gouvernail. Je crois. Je sais même plus. C'est très joli. Très, très joli. C'est en couleur dorée. C'est très beau. J'aime beaucoup. Merci, Jem. À côté, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est trop mimi. Oh, ça, c'est chouette. Oh, ça, c'est beau. Alors, ça, il y en a un ou il y en a deux, je ne sais pas. Non, je pense qu'il n'y en a qu'un et c'est en... Ah oui, il y a un effet reflet. C'est des petits tags avec des animaux. Ici, c'est un petit chien, regardez. C'est trop mignon. C'est adorable, hein? Oh, c'est trop beau. Ah, j'adore. Alors, on a le petit chien. On a le petit renard dans les tons roses. Je vous fais voir de près. Il est pas beau. Il est adorable. Ah, j'adore. C'est trop mignon. On a, oh, un petit cœur. Tout fleuri. Tout joli. C'est tout en relief, hein. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. C'est tout en relief. C'est très délicat. J'aime beaucoup les couleurs en plus. C'est très printanier, très sympathique. Là, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, il est beau! Un petit chat. Regardez. Il est pas mimi? Ah, il est adorable, hein? Ah, il est génial, ce petit chat. Excellent. J'adore. Ah, je vais m'éclater. Ici. On a
une petite carte avec un ruban où il y a marqué Happy. Voilà, c'est trop mignon, c'est vraiment, c'est doux, j'aime beaucoup. C'est sympa ça. On peut mettre un petit mot derrière si on a envie. C'est très mignon. Ou à l'intérieur, pourquoi pas. C'est vraiment adorable. Et celui-là, le dernier, c'est un pélican. Ouais, c'est un pélican. Regardez comme il est beau. Très belle image en 3D, évidemment. En relief, pas en 3D, en relief. C'est vraiment joli. Merci, Jem. Oh, ben dis donc, je vais pouvoir me régaler à faire des petites créas avec tout ça. C'est tout délicat, c'est tout mignon. J'aime beaucoup. Là, qu'est-ce qu'on a? Oh, des petits nœuds pleins de couleurs. Regardez. Alors, attendez, je vais essayer de les sortir. Hop. Oh, ils sont beaux. J'adore les couleurs. Je vous les mets dans ma main. Deux dans les tons violet et vert. Et deux dans les tons jaune et rose. C'est joli, c'est frais. J'aime beaucoup. Merci. C'est un petit ruban. Comment on appelle ça? Un peu gaufré, un peu texturé. J'aime beaucoup. Pardon. Ah, c'est excellent. J'adore. Dis donc, qu'est-ce que tu m'as gâté, Gemma? Là aussi, on a des petits rubans. Ah, ils sont beaux, des petits nœuds. Alors, on en a deux roses. Avec des cœurs, des piques, des trèfles. Et ici, alors, les roses, oui, c'est dans les tons roses, bah oui, hein, Marie. Voilà. Et les autres, c'est dans les tons orange, vert et rose. Avec des petites fleurs par-dessus. Regardez. C'est tout mignon. J'adore. C'est adorable. Ah ouais, c'est excellent. Bon, j'ai pas les mains terribles parce que comme j'ai fait de la peinture juste avant, ben évidemment, ça laisse des traces. Parce que moi, quand je fais de la peinture, je m'éclate et du coup, ici à côté, on a des trombones qu'on va pouvoir altérer. Voilà, alors on en a un petit paquet, hein, bien sympathique. Je vais pouvoir m'amuser à les altérer. J'en ai jamais fait des altérés, donc on va pouvoir s'amuser à faire ça. Ah, j'adore l'organiser comme ça. C'est bien le petit bazar organisé. C'est sympa ça. Allez, on ouvre le deuxième. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a une rangée de... Ah, c'est des petites têtes de chat. Regardez, en tissu. Ça ressemble à des petits coussins. C'est tout molletonné. Alors on a le marron. On a le vert kaki. Enfin, vert kaki mais tendre. Tout est pailleté doré. Je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment joli. J'espère que vous voyez bien. Je suis pas sûre pour la lumière. Voilà, j'essaye de la baisser un petit peu. Ici, on a couleur crème. Un peu pailleté aussi. Regardez. Je sais pas si vous voyez à la caméra. C'est très joli, c'est très fin. Mettre à côté le gris pailleté aussi, là on le voit mieux. C'est joli. Oh là là, tu m'as trouvé des petits trésors. C'est vraiment la chasse aux œufs, façon trésor. Un petit jaune d'ocre, très sympa.
Et puis le dernier, un petit rose un peu poudré que j'aime beaucoup aussi. Très sympa, c'est original ça. Comme j'ai des petits yeux et des trucs sympas qui bougent, je pense que je vais pouvoir m'amuser à faire des petites créations avec ça. Ça, c'est très cool. Merci beaucoup, Jem. C'est vraiment original. Allez, on referme celui-là, on les remet dedans. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh là là! C'est quoi? Oh, qu'il est beau! Oh, il y en a plusieurs, ils sont superbes. Alors, c'est deux petits lapins avec des petites broches, des petits bijoux dans les oreilles. C'est des petites filles, apparemment, avec les yeux en fleurs et une petite collerette. Regardez comme c'est beau. Alors, regardez pas l'état de mes mains, hein, parce que mes mains, elles sont pleines de peinture. Regardez comme c'est joli. Regardez. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est délicat, c'est beau, j'aime beaucoup. C'est original, hein? Je n'avais jamais vu des comme ça avant. Je sais pas où t'as trouvé tous ces petits trésors, mais c'est vraiment. Oh, c'est trop beau. Oh là 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 là, t'as fait des folies, ma belle. Hein. Oh là 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 là, je sais pas si je mérite tout ça. Hein. Oh, mon Dieu. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Mais comment tu veux que je me serve de tout ça? C'est tellement joli que j'oserais jamais. Ça, c'est quoi? Oh, ils sont chouettes. Ah, oh, j'adore. Des petits lapins, ils sont trop mignons. Ah ouais. Oh, ils ont des carottes dans les cheveux, c'est trop mignon. C'est tout brodé. C'est un genre de petite feutrine toute renforcée à l'intérieur. Oh là là. C'est de la petite feutrine toute brodée, c'est tout brodé, regardez. Comme c'est joli et délicat. Vous voyez, ils sont rembourrés à l'intérieur. Oh là là, qu'est-ce que c'est chouette. Oh, c'est beau, regardez. C'est tout brodé. Les yeux, le nez, la bouche, les petites carottes. Et le deuxième, c'est le même. C'est vraiment adorable. Oh, c'est que t'as trouvé ça, Jen? Je n'en avais jamais vu. Oh là 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 là. C'est trop beau. Trop, trop beau. Alors, je les remets. Ici, qu'est-ce qu'on a? Allez, des petits lapins encore en tissu. Avec le petit pompon, cette fois-ci. Le voilà de face. Alors, lui est dans les tons jaune d'ocre. Et le voilà derrière avec son petit pompon. C'est trop mignon, j'adore. Moi, les petits pompons, ça me fait craquer. Alors, on l'a en rouge, comme ça, avec le pompon rose. On l'a en bleu, avec son petit pompon bleu, un peu plus foncé. Oh, c'est trop beau, j'adore. Le petit tissu là, il est trop bien fait, c'est tout cousu et tout. Oh là là, c'est délicat, c'est bien fait. C'est vraiment superbe, hein, regardez. C'est vraiment super beau. Et le dernier, dans les tons rose poudré. C'est vraiment super joli. Il n'y a rien à dire, c'est excellent. Je sais pas si vous connaissez ça, les filles, mais regardez, c'est tout cousu. Je sais pas si vous allez voir les coutures sur les côtés. C'est incroyable, hein? Tout cousu, tout molletonné. Le petit pompon derrière. C'est excellent, j'adore. Ah ouais. Pour mettre sur une petite créa ou une petite carte ou. Sur un vêtement aussi, on pourrait. Hein. Ah ouais. Oh, c'est trop mignon. Trop, trop mignon. J'adore. Ah ouais.
Les petites mignonneries comme ça, moi, ça me régale. Ah ouais. Ah, j'adore. À côté, qu'est-ce qu'on a? Hop. Des petits chats. Oh, ils sont beaux. Alors, là, c'est un tissu avec des petits pailletis. Celui-là est, oups, dans les tons gris-bleu. Voilà. Avec des plis, des petits plumetis. C'est trop joli. C'est trop délicat. Et derrière, ils sont tout simples. Mais regardez le tissu, on dirait qu'il est gaufré. C'est joli comme tout. Et quand on touche, c'est tout molletonné. Il y a je sais pas, de la mousse dedans ou je ne sais quoi, mais c'est trop beau. Alors on l'a en gris comme ça. En gris d'un côté et bleu marine de l'autre. Ah, qu'est-ce que c'est beau! On a le rose comme ça. Alors rose poudré pour le plumetis et rose un peu plus vif derrière. C'est beau. Si vous connaissez ça, les filles, dites-moi le, hein, parce que moi, je découvre. Et on en a un, oh, il est chou. Alors, il est tout doré. Comme ça. Et à l'arrière, il est jaune. Oh, c'est trop beau. J'avais jamais vu ça. Oh, c'est trop mignon. Oh là là, c'est trop chouette. Ah ouais, j'adore. Oh, c'est trop beau. J'oserais jamais me servir de tout ça. C'est trop joli ce que tu m'as envoyé, Jen. Ah ouais, j'oserais pas, j'aurais peur de les abîmer. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, des petites tongs. Ah, elles sont choues. Regardez. C'est pas mignon ça? Et en plus, il y a la paire. C'est excellent. Ah ouais, c'est excellent. Alors, on les a en bleu. Pour une carte, par exemple, pour un jeune homme. Ou pour un petit garçon. Oh, c'est trop chou. C'est du bois, apparemment. Ouais, c'est en bois. Et le petit truc là, c'est on dirait une petite fermeture en genre de simili ou de cordon un peu plus épais. Oh, c'est excellent. Ah, j'adore. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ouais, c'est du bois. Ah, j'adore. Et on les a en rose aussi. Pour mademoiselle, n'est-ce pas? Le summum de l'élégance. Ah ouais, super. Eh, ça va être bientôt la saison des tongs, hein, les filles. Bientôt, bientôt. Bah, chez nous, on a battu des records aujourd'hui, hein. 26 degrés à Marignane, la ville à côté. Donc, bah, nous, on n'était pas loin non plus, hein. Il y avait 23 à Aix. Mais Aix, c'est toujours plus froid. Bah, écoutez, on a fait le tour de tout ça. J'adore. C'est vraiment adorable. Je te promets que je vais en faire bon usage, hein, parce que là, franchement, c'est excellent. C'est tout bien rangé, c'est tout classé, c'est tout. Merci beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, Jim. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ah, du Killing. Ah, c'est excellent. Alors, kit de Killing. 200 pièces, waouh! Ah ouais! Ah, puis à tout avec! Ah ouais! Ah, on va l'ouvrir. Alors attendez. Comment que ça s'ouvre? Ça s'ouvre là apparemment. J'en ai jamais fait du Killing. Eh ben, on va tester, hein. Ah, c'est excellent, j'adore ça en plus. Oh, ça c'est une super idée, Jem.
Ah ouais, pour faire des tableaux et des créations, des... Oh, j'adore le kit. Ah, mais il y a tout dedans. Il y a la règle, il y a tout. Oh là 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 là. Alors, attendez. Oh là là. Ah ouais, il y a le petit crochet. Vous voyez, pour passer les bandes. Hein. Il y a toutes sortes de bandes en couleur. Oh là 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 là, je vais me régaler. Regardez. Alors en fait, le keeling, c'est vous prenez votre bande et vous l'enroulez. Et vous arrivez à faire des formes avec des yeux, des ronds, des fleurs, il y a plein de choses à faire, c'est excellent. Oh, merci. Oh, puis alors, les couleurs. Regardez-moi les couleurs, quoi. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais me régaler. Ah ben voilà, ça c'est la fameuse règle. Alors, ça vous permet de déterminer le diamètre du rond ou de l'œil que vous voulez faire. En fait, vous faites votre rond avec ça. Et après, vous le posez, mettons, dans celui-là. Vous lâchez et automatiquement, il va prendre le bon diamètre de ce que vous voulez faire. C'est excellent. Oh là là, c'est excellent. Merci, 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 merci. Oh là 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 là. Ah, puis il y a même les tout petits là. Ah ouais, il y en a un tout petit, petit, petit là. Regardez. C'est incroyable, hein? Ça va du plus petit ici au plus grand ici. Donc ça suit comme ça. Hop là. Hop là. Et on revient là. Ah, c'est excellent. J'avais vu ça sur Internet et j'avais toujours dit que je m'en achèterais, mais c'est super beau. C'est super chouette, ça. Ah ouais, merci beaucoup. Ah ouais, c'est excellent, ça. Ah ouais. Ouais, c'est ça. On vient prendre avec le petit outil. On fait le petit rond, enfin le petit truc. On le pose délicatement dans le diamètre qu'on veut. Et on lâche tout et pour bien le tenir, on épingle après et on vient le mettre sur une créa. Et si on le pince, ça peut faire un œil, on peut faire plein de choses. Des fleurs, des visages, des paysages. J'ai vu des tableaux magnifiques avec ça. C'est super joli. Merci beaucoup, Jem. Ah ouais, il y a longtemps que j'en voulais un en plus. Bah, tu vois, ça tombe bien. Vraiment, tu me connais, toi. J'ai l'impression qu'entre toi et Béa, vous m'avez bien cerné, les filles. On remet ça dedans. C'est excellent. Merci beaucoup. De quoi bien travailler, hein. Grâce à vous, je vais pouvoir bien m'amuser, je sens. Ouais. Eh ben, dis donc, je vais pas m'ennuyer, moi, je vous le dis. Hein. Bon, je le remettrai après. Merci beaucoup. Ah, j'adore. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, oui. Alors, c'est des ornements métalliques pour le scrap. Et c'est des chouettes, des petites chouettes. Ah, elles sont belles. En plus, j'adore les chouettes. Ça porte bonheur, il paraît. Regardez. On a deux modèles différents. Deux paires en haut. Enfin, une paire en haut et une paire en bas. Ah ouais. Pour mettre dans un album ou en bijoux d'album ou... Je sais pas, mais en tout cas, c'est trop joli. J'aime beaucoup. Ah oui, c'est excellent ça. Oh, c'est trop chouette. Merci, j'adore. Ah ouais, le métal, ça fait un peu comme le bois, j'aime beaucoup.
Ah ouais, c'est vraiment très très beau. Puis les petites chouettes comme ça, j'en avais jamais vu. Sur la branche là, elles sont trop chouettes. Ah ouais, merci beaucoup. Je vais pouvoir m'amuser, hein. Ici, oh là 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 là, des tampons. Ah, oh, ça c'est excellent aussi. Alors, on a un tampon de coin ici. Je vous fais voir en même temps. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Un tampon de coin. Un tampon en cœur. Alors, dedans, c'est des petites fleurs. Oh, c'est trop joli. Regardez. Des petites fleurs comme ça. Ici, c'est un lustre baroque. Oh, ça, j'avais pas. C'est trop beau, ça. Ça, sur un fond vintage. Ou dans les tons bleus. Un peu dans les tons dégradés bleu-gris. Un tamponnage comme ça, mais c'est waouh! Un joli, joli, joli petit papillon. J'adore les papillons en plus. Une hirondelle. Et oui, les hirondelles font le printemps, hein. En tout cas, chez nous. Une petite cage ici. Très sympa. Ah là là, le portant, il est magnifique, là. Enfin, je crois que ça s'appelle un portant, je ne suis pas sûre. En tout cas, pour déposer les robes et les modèles, là, comme les grands couturiers. Oh, c'est beau. Ah, j'aime beaucoup. Le fameux cœur de la Saint-Valentin, des amoureux. Voilà. Trois petits cœurs ici. Trop sympa. Un petit oiseau façon dessin naïf. J'aime beaucoup. Ça, j'adore. Ça, c'est... J'adore. La petite chouette avec ses petites ailes et ses petits yeux, elle est adorable. Et une magnifique rose. Ah ouais. Vraiment très très beau. Merci, Jem. Oh, fallait pas me faire tout ça. Oh là 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 là. C'est incroyable. C'est incroyable. On avait dit une petite carte. On n'avait pas dit tout ça. T'as abusé. C'est pas bien. Et là, qu'est-ce que c'est? Alors, Sheboard Album. Film strip album 15 sur 15. Waouh! C'est pour faire un album. Oh, excellent! Avec des anneaux. Oh, ouais! Alors, attendez, moi je suis curieuse. Je vais ouvrir. Hein. Alors, où c'est que j'ai mis mon couteau maintenant? Parce que du coup, je sais même plus. Ah, elle est là. On va essayer d'ouvrir sans l'abîmer. Oh là là! En plus, ça ressemble à des diapositives. Ah, oh, c'est excellent. Je vais essayer de l'ouvrir sans l'abîmer. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'aime bien. Écoute, hein, tu m'as fait un colis de fou, ma belle. Vraiment, c'est plus une chasse aux œufs, c'est une chasse au trésor, mais voilà quoi. Incroyable. Incroyable. Oh là là, j'en reviens pas à tout ce que... Mais t'es folle. T'es folle, ma belle. Oh là 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 là. Faut pas faire des trucs comme ça, les filles. Hein. Ça me fait plaisir, mais en même temps, voilà quoi, ça me... C'est incroyable. Vous êtes pas possible. Je mérite pas tout ça, moi. Ah non, 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 je mérite pas tout ça. Moi, je fais rien de mon côté. Moi, mon plaisir, c'est de vous recevoir, de bien vous accueillir, mais ça mérite pas tout ça, quoi.
C'est comment vous dire que ben, ça me touche, vous pouvez pas deviner comment quoi, c'est incroyable, incroyable. Alors attendez, j'essaye de l'ouvrir correctement. Je voudrais pas abîmer pour pouvoir le remettre après à l'intérieur. Bah, éviter de se couper les doigts avec la serpette parce qu'autrement c'est pas l'heure d'appeler les pompiers non plus hein. Je veux pas abîmer parce que je voudrais pouvoir le remettre en place après une fois qu'on l'aura ouvert parce que si je le fais pas tout de suite. Je voudrais pas qu'il s'abîme. Vous voyez? Donc j'essaye de l'ouvrir correctement. Voilà. Ah ouais. Oh là là, il y a les petits anneaux et tout. Oh, ça va être chouette. Alors je sais même pas comment on fait. Oups. J'espère que je vais rien casser. Ah ouais. C'est top. J'ai jamais fait un album avec des anneaux. Oh, c'est chouette. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Ah, mais il est déjà tout fait, il n'y a plus qu'à le décorer, c'est ça. C'est des plaques de carton dur en plus. Regardez. Peut-être que vous connaissez, vous. Hein. Et la première, la couverture, elle est en façon diapositive, en façon film. Oh, c'est chouette. Pour faire un album de vacances ou. Oh, c'est excellent. Merci. Oh ben dis donc. Eh ben, je vais avoir du boulot moi. Merci beaucoup. Je vais chercher des idées parce que je voudrais pas l'utiliser n'importe comment. Ah oui. Alors, j'essaye de regarder en français. C'est pas marqué. Album de photos. C'est ça. Oh là 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 là. Ben en tout cas, merci, 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 merci. En plus, j'ai plein de photos. Il faudrait que je les fasse développer. Et le format, en plus, il est excellent. C'est un 15-15. C'est excellent. Ah ouais. C'est plus que 15-15, ça. J'ai bien l'impression, hein. Ils disent 15-15. Ouais, c'est même du 16. 16. 16 sur 15. Ah ouais, c'est trop top. Ben, merci beaucoup, hein, et on va avoir 6 pages à faire, 5 pages, plus la couverture. Oh, c'est excellent. Ah ouais. Eh ben écoute, franchement là, merci beaucoup. Eh ben avec tout ça, bon, eh ben les filles, on est arrivé au bout hein, de ce colis. C'est plus une chasse aux œufs, c'est une chasse au trésor carrément. Ouais, c'est une chasse au trésor vraiment. Donc, ben Jim. Je sais pas quoi te dire quoi. Je sais pas quoi te dire parce que c'est incroyable tout ce que tu m'as offert. Regardez les tampons, les embellissements métalliques, le keyling, tout le kit.
avec la petite règle et le petit appareil pour faire le keying. Des couleurs superbes, j'adore ces couleurs là. Je vais pouvoir m'éclater à faire des fleurs, des trucs, des... Oh là 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 là. L'organiser, le bazar organisé, excellent, ça j'adore. Et puis tout ce qu'elle m'a fait tout à l'heure, c'est la petite carte là. J'ai adoré ta petite carte. Allez, là, dès que j'ai fini de ranger tout ça, ben, je vais l'accrocher là sur le mur des créateurs. Parce qu'elle est vraiment très très belle. Merci beaucoup. C'était surpassé, Jim. Vraiment, mais fallait pas faire tout ça. Fallait pas, parce que je vous remontre. Parce que c'est vraiment trop trop beau. Voilà. Sa petite créa. Ici. Alors attendez, je vais prendre ça comme ça. Voilà. La petite créa. Comme ça. Du lapin pack. Alors, attendez, je vous remonte un tout petit peu. Voilà. La petite créa du lapin pack. Voilà, tout ça, j'avais mis les petites étiquettes. La petite sucette trop rigolote, j'adore. Avec le petit pompon à l'arrière, arc-en-ciel. Moi, je prends que les pompons, désolé. Hein. Les petits yeux qui bougent, c'est excellent. J'adore. Il a un petit air coquin, il est trop bon. Les petits œufs, comme ça. C'est une vraie boîte à œufs, hein. Comme quand on les achète, hein. Avec des petits œufs en chocolat dedans, c'est excellent. Ah, j'adore. Voilà. C'est waouh. On va se régaler, hein. Ouais. Des œufs de Neuville en plus, hein. Une chocolaterie bien réputée. Hein. Ouais. Les apparences sont parfois trompeuses. J'ai hâte de les goûter parce que si ça se trouve, il y a des petits trucs cachés à l'intérieur. Donc ça m'attise bien la curiosité aussi. Hein. Je suis comme les gosses, moi. Donc je remets ça là-dedans. J'adore cette petite créa. C'est trop mignon. C'est adorable. Petit panier, là. Oh, tu t'es amusé, ma Diam. T'es folle. C'est vraiment trop chouette. Dommage que j'ai pas de comment on appelle, de feutrine, autrement je vous l'aurais refait un tuto. Mais bon, je pense que vous avez compris le principe du petit panier. C'est trop mignon, j'adore. Avec la petite coquille, la d'œuf brisée. C'est vraiment le petit lapin de Pâques qui sort de l'œuf, quoi. C'est excellent. Ah, j'adore. Donc, il y avait ça. Il y avait ça, on va remettre tout ça là-dedans. Les petites étiquettes pour accompagner les petits colis. Les petits paquets à chaque fois. Ici, on avait un petit carnet avec un petit pompon en forme de lapin. Voilà. Les petits papillons que j'ai recollés et que j'ai remis. Voilà. Merci beaucoup. Mais cette odeur de bonbons, c'est incroyable. Les petits stickers en 3D. Je suis venue aussi le recoller, celui-là, tu vois. Donc, ça y est, j'ai tout remis en place. Ça sent le bonbon, les filles, écoutez-moi. Là-dedans, il y a... Ben, ça, j'ai pas rangé. Oh, c'est pas bien, Marie. Je vais le ranger après. Toutes les petites étiquettes là, de différentes formes, voilà, qui étaient là-dedans, il faut que je les range. Les petites colombes, ça j'ai adoré, avec celle de la colombe de Picasso, là, elle est magnifique. Bon, vous devez sûrement l'avoir déjà vue, et elle est très connue, c'est la colombe de la paix vue par Picasso. C'est très très joli. Voilà, les petits numéros en bois pour décorer un calendrier de l'Avent. Alors ça, je vais me régaler pour Noël. Merci.
Je vous continue. Encore des petits stickers en 3D. Des oiseaux, des fleurs, des papillons, etc., etc. Dans des couleurs magnifiques. J'aime beaucoup l'oiseau avec la rose en haut. Le petit oiseau tout seul avec Best Friend, meilleur ami. Et la rose en bas, elle est magnifique aussi. Mais en fait, je les aime tous. Tous. Ils sont vraiment très, très chouettes. J'ai été super gâtée. Alors, ce petit carnet-là, il est excellent. J'adore les couleurs. J'adore l'originalité. Et c'est vraiment superbe. Merci beaucoup. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça, on va le faire ensemble, les filles. On va le faire ensemble. C'est des petites constructions en 3D qu'on va venir faire ensemble en vidéo. Voilà. La petite étiquette. Un petit lapin que je mets avec les autres. Et puis c'est tout. Avec les petits rubans, les petits papiers qui vont bien avec. La petite étiquette poule qui va bien avec aussi. Voilà. Ben écoute, quoi te dire? Je sais pas, mais voilà, c'est trop. C'est tellement beau, c'est tellement... Je sais pas si je vais oser me servir de tout ça, quoi, parce que je suis pas habituée à avoir du matériel aussi joli. Et franchement, c'est très précieux pour moi. C'est des objets que je vais pas avoir tous les jours. Donc, je vais essayer de les garder le plus longtemps possible pour en profiter un maximum. Parce que, voilà quoi, c'est inespéré quoi. C'est des petits, c'est des cadeaux formidables, merveilleux. Et franchement, pour moi, j'avais jamais vu tout ça. C'est fin, c'est joli. Il y a des belles couleurs, il y a des jolies créations. C'est original, c'est dans la simplicité, c'est tout ce que j'aime en fait. Donc je sais pas quoi te dire, à part un grand merci. Je remets tout dans le carton, je vais ranger tout ça après. Je vais m'éclater moi avec tout ça. Oh là 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 là. Je vais me régaler les filles. Ah ouais. Ah ouais. Oh, ah là là, c'est pas Pâques là, c'est Noël. C'est Noël encore une fois. Décidément, je suis super gâtée, mais vous faites des grosses folies, les filles. Faut pas me faire des trucs comme ça. Faut pas. C'est. Moi, vous le savez, hein, une petite carte, un petit mot, et ça me suffit largement, quoi. J'ai pas besoin d'avoir autant de belles choses, d'avoir et puis voilà quoi, je veux dire, un petit mot sur un bout de papier, ça me fait super plaisir aussi. Donc c'est voilà quoi, je sais pas quoi vous dire, je sais pas comment vous remercier à chaque fois. C'est vraiment attendez, je repose ça par là. Voilà. Je vais vous rapprocher. Vous mettre face à moi. Ben voilà, on va pousser un petit peu la lumière pour éviter ce halo là. Voilà. Et c'est incroyable. Vous êtes folles les filles. Vraiment, vous êtes folles. C'est énorme. Je sais pas quoi vous dire, je sais pas comment vous remercier, je sais pas comment vous exprimer ce que je peux ressentir, je sais pas. C'est un truc de fou quoi en fait. C'est un truc de fou. Moi je fais rien pour mériter tout ça.
Je vous accueille et puis voilà, mais après c'est vous qui faites marcher ma chaîne, c'est pas moi quoi, vous voyez. C'est moi, je fais juste des petites vidéos, je vous accueille, je papote, je fais des petits ateliers, des trucs comme ça, mais voilà, rien d'extraordinaire. C'est vous qui faites fonctionner ma chaîne, c'est vous qui m'apportez plein de bonnes choses, plein de bons sentiments, et je suis vraiment fière de vous, quoi. Vous êtes toutes et chacune, vous êtes tellement adorable, tellement gentille, tellement prévenante, tellement. Voilà, quoi. C'est. Je sais pas quoi vous dire, quoi. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment toutes du fond du cœur. C'est un vrai, vrai, vrai bonheur. Et puis, ben, voilà, j'espère que j'arriverai à faire de jolies créas avec tout ça aussi, avec tout ce que déjà les autres filles m'ont envoyé, parce que je ne suis pas encore arrivée au bout de tout, et que ben, tous les jours j'essaye d'en faire un petit peu, et je vous les montre à la caméra. Du coup, ben, demain matin, je vais faire ma vidéo d'atelier, parce qu'avec tout ça, ben, j'étais obligée de l'arrêter, parce que j'étais trop curieuse. Donc, je la referai demain matin, sans faute. Et puis, je vous la posterai dans la journée, c'est pas grave. On se retrouvera demain soir pour le live, détente. J'aurai l'occasion de vous remercier toutes, vraiment, en live et de vive voix. Et puis, pas un grand merci, un grand, grand, grand merci, quoi. C'est. Merci. Merci, merci, merci. Je vous fais à toutes des gros, gros bisous. J'avais dit, je craquerais pas, mais. Pardon. C'est beaucoup d'émotions pour moi, les filles. C'est. J'aurais dû couper avant, vous n'auriez pas vu ça. James, je te remercie du fond du cœur. C'est. Voilà, il n'y a pas de mots. Vous toutes, je vous remercie. Par vos attentions, par vos petits envois, par vos paroles, par vos mails, par vos SMS, par. C'est chacune de vous, vous avez cette façon de. Je sais pas quoi vous dire, quoi. Merci en tout cas du fond du cœur, merci beaucoup. Et je vous embrasse très, 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 très fort. Merci beaucoup. Et Jim, encore un grand merci à toi. J'espère avoir réussi cette chasse aux œufs. En tout cas, pour moi, c'est une vraie chasse au trésor. Et encore un grand merci. Je vous embrasse. Salut les amis. À très vite les artistes. On est à 53 minutes, ça va bientôt couper. Je serai encore restée pendant des heures avec vous. Mais voilà. Donc, un grand merci à vous toutes. Et plein de bonnes choses. Prenez soin de vous surtout. Et. Pour ce week-end, je vous souhaite paix, amour, partage, bonheur, joie et plein de bonnes choses pour les fêtes de Pâques et pour tout le reste. Voilà, profitez de vos amis, profitez de la famille, profitez de vos vacances, de votre week-end. Promenez-vous, regardez la vie, profitez-en et puis. On se retrouve très vite. D'accord? Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci, Dieu. Bye bye, les filles. Merci.